بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo donc de Hassan Hashim. Il a changé sa méthode de faire des vidéos, peut-être qu'il en avait marre de faire des montages. Donc maintenant il fait des sortes de podcasts comme ça, où il traite des sujets durant 10 minutes, d'accord. Et ici, aujourd'hui, ça concerne donc la reine des Touaregs, d'accord, qui s'appelle Tin Hinan. Donc on va écouter cette histoire, je vais faire une traduction approximative, je vous reviens, elle est approximative. Je suis plus à l'aise quand c'est à l'écrit, bien sûr, ça me permet de chercher les bons mots, ainsi de suite. Donc, c'est pas ma profession d'être traducteur, d'accord. Donc, on va écouter et décrypter et commenter comme d'habitude. Donc, bismillah. إلى بلاد المغرب العربي الحبيب وتحديدا في ضيافة أشهر قبائله. موضوع اليوم حول ملكة دارت حولها الأساطير والقصص. البعض أكدوا وجودها والبعض الآخر نفاه. Donc il dit on va se déplacer vers le Maghreb, d'accord, le Maghreb al-Arabi, le Maghreb arabe, d'accord, vers une reine légendaire dont certains disent qu'elle existe et d'autres nient le fait qu'elle existe. ذلك أرست أسس احترام النساء وتبطيرهن في المملكة الشاسعة التي حكمتها ملكة. حتى بعد اكتشاف ضريحها بقي الجدل حولها قائما، بل وامتد ليشمل موضوعا آخر. فما علاقة قبائل الطوارق؟ وما علاقة مملكة أطلانتس الضائعة بالموضوع؟ Donc il dit cette reine, elle fait encore parler d'elle et qu'il y a un lien donc entre cette reine et bien sûr les Touaregs, d'accord, parce que les Touaregs disent qu'ils sont issus de cette reine-là et son lien aussi avec la civilisation de l'Atlantis, d'accord. لن نطيل الحديث ولندردش سويا حول ملكة الهقار تين هينان. هذه الحلقة برعاية ببجي موبايل. Donc la reine du Hogar, Tin Hinan. Donc là on va passer, c'est une publicité pour un jeu qui est lié à l'Égypte antique. Hop. Donc c'est une façon de financer ces vidéos. Et ça fait bizarre comme quand vous parlez de religion, on m'a proposé comme ça de faire des pubs pour des jeux, mais franchement c'est difficile. Quand vous parlez de religion et vous commencez à faire de la pub pour des jeux chelous, c'est difficile. قبل أن نتعرف إلى الملكة تين هينان الغامضة وعلاقتها بقبائل الطوارق العريقة، دعوني أعرفكم بشكل سريع على الطوارق. الطوارق هم من شعوب الأمازيغ المنتشرين في أكثر من بقعة جغرافية، فلهم حضور في الصحراء الكبرى وفي جنوب الجزائر وأزواد في شمال مالي وفي شمال النيجر وكذلك جنوب غرب ليبيا وصولا إلى شمال بوركينا فاسو. Il dit que les Touaregs, c'est un peuple d'origine amazigh. Donc les Amazigh, c'est un grand peuple avec plusieurs branches. Et donc ces Touaregs se trouvent non seulement dans le sud de l'Algérie, mais aussi dans beaucoup de pays du Sahel, d'accord, et notamment au nord du Niger, du Mali. Il a parlé du Burkina Faso et aussi de la Libye. Donc à mon avis, c'est un peuple qui, comme ça, se trouve aussi sur certaines frontières des pays environnants, qui sont environnants au Hogar. Les Touaregs ont leur langue spéciale, qui utilisent les lettres Tifinagh. وهي من أقدم الأبجديات على وجه الكرة الأرضية وأكثرها غموضا، وقد يكون لها حصة من حلقات غموض في المواسم القادمة بإذن الله. Donc ils disent utilisent un langage les Touareg, d'accord, qui ils ont un alphabet qu'ils appellent le Tifinagh, et c'est une langue donc vraiment ancienne, et certains disent que c'est l'alphabet le plus ancien. الطوارق مجتمع له عاداته الخاصة وتقاليده الفريدة، ومن المعروف عنهم بل هو كعلامة مسجلة. لباسهم الأزرق ولثامهم الأزرق في أغلب الأحيان. Donc les Touaregs, ils ont des traditions spécifiques, hein, une culture spécifique et aussi une façon de s'habiller. Donc les Touaregs le reconnaissent comme ça parce qu'ils se masquent et ils portent des tenues bleues. Bleues, pourquoi? Allahu a'lam. En tout cas, la couleur bleue, vous savez qu'aussi ça ressort dans certaines villes du Maroc, Tunisie, en Algérie, je ne sais pas s'il y en a. Je n'ai pas l'impression, mais en tout cas en Tunisie, au Maroc, vous avez comme ça certaines villes qui sont peints, on peint tout en bleu. Donc, quelle est la signification de ceci, la symbolique, je ne sais pas, peut-être par rapport au ciel, peut-être par rapport à autre chose, Allahu a'lam. أزرق في أغلب الأحيان ما أكسبهم لقب الرجال الملثمين أو الرجال الزرق. الطوارق لا يسمون أنفسهم بهذا الاسم والذي لم يتم تحديد أساسه، ولكن على ما يبدو أنه مشتق من تارجا
والتي تعني الأرض الغنية بالمياه. Donc Touareg, c'est bien de Targa, qui veut dire là, une terre riche, d'accord, riche en eau. Et certains donc disent que ça vient du fait qu'ils s'habillent en bleu et on les appelle les hommes masqués ou les hommes bleus. الطوارق فهم يطلقون على أنفسهم أسماء مأخوذة من تاريخهم وتراثهم وتختلف بحسب اختلاف مناطقهم ومن هذه الأسماء إيمو هاج وإيمو شاج Donc selon leur région où ils se trouvent, ils ont des noms différents. Imohad, Imoshag, Imajign, Imajign, ou Imagign. Imagign. On dirait de l'allemand. Dit les nisa et دورهن في المجتمع. بل تتمتع النساء بسلطة كبيرة في هذا المجتمع في مختلف نواحي الحياة. والسبب ليس وليد العصر الحديث بل يعود إلى قرون خلت. Donc eux, c'est les Amazigh font partie des peuples, de certains peuples aussi. On le trouve souvent chez les Amazigh, en fait, de manière générale, la présence de la mer, d'accord. La mer, elle a un rôle central, d'accord. Et c'est beaucoup de familles qui tournent autour de la mer. La mer, elle a vraiment une présence et un poids dans la famille. Et dans chez les Touareg, aussi la femme a un rôle, d'accord. Contrairement peut-être à ceux qui sont d'origine arabe. ملكة وأم جميع الطوارق بحسب تراث مجتمع الطوارق الملكة تين هينان هذه الملكة التي تناقل ويتناقل قصتها الأجيال المتعاقبة من الطوارق كانت تعتبر الباحثين والمؤرخين من خارج مجتمع الطوارق شخصية أسطورية لا وجود لها Donc les Touareg, ben, il se passe en fait cette légende donc, de l'histoire qui est pour réel de Tin Inan, cette reine et les historiens, les scientifiques, considèrent, les archéologues considèrent qu'en fait c'est une reine légendaire en fait, qui n'existe pas réellement, c'est juste une légende. وبالأخص أن الطوارق ليس لديهم تاريخ كتابي مسجل وغالبية ما تواتر عن تاريخهم كان شفهيا ومنه قصة هذه الملكة إلا أن اكتشاف ضريحة عام 1925 غير وجهة نظر أغلب المجتمع العلمي حول حقيقة وجودها في التاريخ الأمازيغي Donc il faut savoir que les Touareg, ils se passent en fait leur tradition, c'est une tradition orale et non pas écrite. Et il y a une découverte donc d'une tombe qui a un peu changé la donne concernant Tin Inan. C'est en 1925 qu'ils ont découvert donc une tombe et donc maintenant il y a, on va dire, un débat sur l'existence de cette reine. ما سنصل إليه في سياق الحلقة ولكن دعونا أولا نتعرف على قصة هذه الملكة القصة كما هي متوارثة بين الأجيال المتعاقبة من الطوارق أن تين هينان أو تامينو كالت كما تعرف عند الطوارق كانت أميرة Donc cette reine qui s'appelait aussi Tin Hinan ou Tamino Kalt, donc c'était en fait une grande reine et donc les Touareg, ben comme on dit, se passaient parler d'elle en fait de génération en génération. وقد هربت من موطنها لأسباب عديدة ومختلفة. فتارة تكون هاربة من الأجزاء الشمالية من الصحراء وتارة أخرى تكون هاربة من منطقة تافيلالت لأسباب أيضا اختلفت بحسب الروايات ما بين هربها بسبب إجبار والدها لها على الزواج من أحد الأمراء الأفريقيين وما بين مضايقات تعرضت لها من قبل الأسرة الحاكمة في تلك المنطقة Donc on dit qu'elle, elle s'est sauvée avec sa servante. Pour quelle raison? Certains disent qu'elle s'est sauvée du nord du Sahara, du sud du Sahara, ça dépend. Et ils disent parce qu'en fait, sa famille voulait la forcer à se marier avec soit un gouvernant ou un émir ou un notable en Afrique, d'accord? Donc elle voulait pas se marier. Et aussi, certains disent qu'elle a reçu des pressions de la famille gouvernante de l'époque. Il y a un المتفق عليه, Tin Hinan. كانت دائمة البحث عن الحرية وربما من هنا اكتسبت اسمها الذي يعني حرفيا باللغة العربية بعد ترجمته من لغة التماهاك القديمة ناصبة الخيام Donc ils disent que chaque fois c'est une femme qui en fait même linguistiquement cherchait donc sa liberté à avoir la liberté donc la traduction de son nom je crois que c'est avec le langage Timinghag je me rappelle plus ce qu'il a dit exactement Tamahag, ça veut dire donc celle qui pose des tentes ou celle qui se déplace, ou il y en a qui disent celle qui émigre, en fait, elle est toujours en perpétuel mouvement, un peu comme ben, tout simplement les Bédouins. Comme les nomades. طال الترحال بملكتنا ومن معها وعلى رأسهم خادمتها تاكامات في الصحراء الشاسعة ونفذت مؤونة الملكة وحاشيتها وشارفوا على الهلاك إلا أن خادمتها تاكامات لفت نظرها صف من النمل يحملون حبوبا من القمح فأخبرت تاكامات تين هينان بما رأت ففطنت الأميرة الهاربة إلى فكرة وهي السير بعكس اتجاه سير النمل
فلابد أن ما يحمله النمل من قمح له مصدر. وبالفعل Donc ils se sont, lorsqu'elle s'est, elle s'est sauvée, qu'elle s'est retrouvée dans Sara avec ses servantes et toute sa cour en fait, parce que c'était une notable, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont failli, il faisait chaud, manque de nourriture, d'eau, ainsi de suite, et donc ils ont failli tous périr, à l'exception de sa servante qui avait fait attention à des fourmis. Ces fourmis, elles portaient des grains de blé. Donc elle lui a dit, la reine, elle était intelligente, elle s'est dit, donc attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre la voie qu'empruntent ces fourmis, mais au sens contraire, et automatiquement, ça, si les fourmis portent des grains de blé, c'est quelque part, il y a donc de la nourriture et des champs de blé. فعل. صارت تينهينان وقافلتها بعكس اتجاه سير النمل حتى وصلوا إلى جبال أهاجار أو الهقار كما تعرف. Et donc ce qui s'est passé et ils ont fait le chemin contraire et ils se sont retrouvés donc dans les montagnes du Hogar. هناك انفرجت أسارير الأميرة حيث ظهر الماء والطعام الوفير. فاستقرت الأميرة هناك وبدأت بتشييد مملكتها الجديدة لتصبح الملكة المطلقة على هذه المملكة. ومنها انبثقت سلالة الطوارق. Donc quand elle a trouvé ça, elle a vu de l'eau, elle a vu des palmiers et tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle s'est installée là-bas, étant donné que déjà elle c'était une notable, elle avait sa cour, et elle s'est donc imposée. Elle s'est considérée donc reine de cet endroit-là. لذلك فهي بحسب تراث الطوارق أمهم الأولى. الملكة تينهينان عرفت بالفطنة والذكاء والجمال الأخاذ. Donc ils disent c'est une femme intelligente, très très jolie, très belle et en fait, très apprécié avec une manière d'agir, en fait, très, comment dire, très intelligente sur le plan aussi politique, de la gouvernance, ainsi de suite. Pas uniquement, il y a différentes intelligences. كما أنها دافعت عن القبائل الأساسية التي كانت هناك والتي أيضا انحدرت منها العديد من قبائل الطوارق الحالية وقامت بحمايتهم من هجمات الغزاة وعلمتهم أصول الحرب والدهاء السياسي. Donc voilà, ils disent que je confirme ce que je dis. C'est que quand elle s'est installée là-bas, il y avait déjà des tribus à la base, donc elle s'est un peu alliée aux tribus. Ça fait penser à Ismaïl, alayhi salam, quand il est né de Hajar dans la région désertique où se trouve en Arabie, et que donc ils se sont alliés aux tribus d'Al-Jurhum, par exemple des tribus arabes, des vraies tribus arabes, hein, les arabes d'origine, Al-Ariba, de l'époque. Donc elle s'est alliée avec des tribus, elle leur a appris l'intelligence politique, d'accord. Alors l'art de la guerre, comment se défendre, ainsi de suite, et elle a pu s'imposer dans un tiers carrément, un tiers de l'Afrique, notamment vers les régions du Sahel. اكتسبت مكانة عالية جعلتها الملكة المطلقة على كل المناطق والقبائل التي وقعت تحت سيطرتها. وبسببها ونتيجة لمكانتها العالية وصفاتها النبيلة اكتسبت النساء بالمجتمع الطوارقي الاحترام والتقدير. Et donc grâce à elle, le fait qu'elle avait de la prestance, qu'elle était jolie, intelligente, qu'elle arrivait à s'imposer, d'accord, et bien elle a réussi à faire en sorte que les femmes des Touareg soient respectées dans la société. حسناً أصدقائي كما ذكرت سيرة الملكة تينهينان لا أثر مكتوب لها ولا سجلات توثق مراحل حياتها والمعروف عنها هو ما يخبرنا به الطوارق ومنه مثلا أن الملكة كان أحد أولادها يدعى هقار ومنه اكتسبت المنطقة اسمها هقار. Donc les Touareg, il n'y a rien en fait d'écrit, d'accord, concernant l'histoire d'Inhinan, ainsi de suite, si ce n'est ce que les Touareg se transmettent de génération en génération, et notamment le fait que la région du Hogar s'appelle à cause du fait que Tinhinan avait un fils qui s'appelait Hogar. هقار كان أول من وضع اللثام على وجهه لتتناقل الأجيال المتعاقبة من بعد هذه العادة وتصبح رمزا لرجال الطوارق. Donc ils disent que c'est le premier qui s'est couvert le visage, comme ils le font en laissant le nez parfois et les yeux. Donc c'est le premier qui a fait ça, donc c'est lui qui a fait inséminé cette tradition. Il faut savoir qu'aussi le prophète, parmi les imamas qu'il portait, parmi les turbans qu'il portait, il y avait ce qu'on appelle l'imam al-muhannaka, cette forme de imama qui couvre aussi le menton, d'accord, et la bouche, comme le font d'ailleurs en Mauritanie certaines tribus et aussi certains arabes.
نتيجة لغياب السجلات المكتوبة، الكثير من الجدل أثير حول حقيقة وجود هذه الملكة من عدمه، إلا أن اكتشاف ضريح في أبليسا الواقع في منطقة الهقار عام 1925. دي كوا إبليسا؟ غياب السجلات المكتوبة، الكثير من الجدل أثير حول حقيقة وجود هذه الملكة من عدمه، إلا أن اكتشاف ضريح في أبليسا الواقع. Iblis, d'accord. Donc c'est une ville. Donc ils ont découvert donc un tombeau ou un mausolée, d'accord, dans la région de Iblisa, dans le Hoggar. Je pensais qu'il avait dit Iblisa. في منطقة الهقار عام 1925 غير الكثير. هذا الضريح تم اكتشافه من قبل بعثة مشتركة أمريكية وفرنسية بقيادة عالم الآثار الكونت بايرون بوروك. الاكتشاف لم يأخذ حقه في ذلك الوقت، رغم أن الطفرة في علم اكتشاف الآثار كانت في ذروتها. Donc il y a un archéologue, on va dire en collaboration avec des Américains et des Français. Et à cette époque, donc l'archéologie, elle était à son top. Et ils avaient donc découvert ce tombeau en 1925. C'était le Baron. Après, franchement, son nom un peu compliqué à prononcer. خصوصا بعد اكتشاف قبر توت عنخ آمون وآثار مدينة أور القديمة عام 1922. Donc c'était l'époque où vous avez découvert la tombe de Toutankhamon et aussi la ville d'Ur, donc en Irak, en 1922. الضريح الدائري المصنوع من الحجر كان بارتفاع 4 أمتار وقطر 23 مترا. Donc là c'est une sorte de tombeau qui est fait sur un mont, d'accord. Donc il fait 4 mètres de hauteur le mur. La largeur, on dirait un labyrinthe, fait 23 mètres environ. Et ça fait penser donc aussi à ce qu'à l'époque ça se faisait les tombeaux comme le faisaient les Romains aussi, qui ressemble au tumulus un peu, sauf qu'ils devaient les couvrir. Ou peut-être qu'il était couvert, Allah a'lam. البعثة بالطبع لم تعلم الضريح لمن إلا من خلال السكان المحليين الذين يعتبرون هذا الضريح مقدسا لاحتوائه جثمان أمهم الأولى الملكة تينهينان. إذن هذا وبحسب وثائق البعثة أول دليل على كون الملكة تينهينان ملكة حقيقية. عندما وصلت الأخبار إلى مجتمع الطوارق بأن البعثة في طريقها إلى فتح الضريح، لم يكن الأمر مستساغا لديهم، واعتبروه بمثابة تدنيس لمقدساتهم، وقاموا بتحذير البعثة من مغبة أفعالهم. ولتزداد القصة رعبا، عاصفة من البرق. Donc ils disent que quand ils ont découvert le tombeau, qu'ils ont voulu donc ouvrir le tombeau ainsi de suite, je crois qu'il y avait 9 pierres sur le tombeau. Ils disent que les Touaregs donc ils ont pas accepté ça et ils ont menacé donc ceux qui ont fait ça en fait, les explorateurs, les archéologues. مثابة تدنيس لمقدساتهم وقاموا بتحذير البعثة من مغبة أفعالهم. ولتزداد القصة رعبا، عاصفة من البرق ضربت المنطقة خلال عملية الاكتشاف والبحث. نسبها أبناء المنطقة إلى غضب الجن وانتقامهم من الخارقين لحرمة وقدسية الضريح. Donc ils disent que à ce moment-là, quand ils ont découvert le tombeau, il y a eu des éclairs, ainsi de suite, des orages, et ils disent que du tonnerre. Ils disent que c'est les djinns qui sont énervés parce qu'ils ont touché donc à la sacralité de ce tombeau. Il faut savoir que même d'après les découvertes dans le Hoggar ou dans les environs, il y a énormément de liens, donc même des villes qu'on impute leur construction aux djinns et un lien. D'accord, avec les djinns, même d'ailleurs l'Atlantide, c'est pareil. لأن العاصفة انتهت والضريح فتح. داخل الضريح وجدت البعثة عددا من الغرف. في أول غرفة من الجزء الجنوبي الغربي من الضريح تم العثور على قبر تحت 9 طبقات من الأحجار الغير اعتيادية في تلك المنطقة. تمت إزالة الأحجار ليظهر هيكل عظمي لامرأة رجلها اليمين موضوعة فوق رجلها اليسار. أي. Donc ils ont trouvé des pièces intérieures du tombeau et ils ont donc enlevé les pierres et ils ont trouvé ensuite un squelette. Et donc ce squelette, il y avait son pied droit, la jambe droite qui était posée sur la jambe gauche, comme si vous croisiez les jambes. متقاطعة الأرجل ورأسها مائل قليلا إلى جانب واحد. Et sa tête qui était penchée vers un côté. المرأة كانت مسجات على لوح خشبي وقد غطيت برداء جلدي أحمر. ظهرت تفاصيله بعد الأبحاث طبعا كونه كان مهترئا عند الاكتشاف. اليد اليمنى
Donc ils ont découvert, elle était couverte, elle était sur une planche en bois, elle était couverte d'un, comment dire, d'une peau, en fait, d'une peau rouge d'animal. المرأة كانت تحمل سبع أساور فضية ثقيلة واليد اليسرى تحمل مثل هذه الأساور ولكن من الذهب طبع. Elle portait sept anneaux d'argent et aussi, comme vous avez vu, une sorte de grand bracelet comme ça en or. جواهر أخرى كانت موجودة داخل القبر مثل التركواز العقيق حجر الأمازونيت المعروف عند الفراعنة والعقيق الأحمر. الدراسة. Donc ils ont trouvé des pierres parmi ces pierres l'amazonite qui était connue chez les gens d'Égypte antique, de l'agate et attendez. De l'agate, il y a quoi comme كانت موجودة داخل القبر مثل التركواز العقيق la turquoise عقيق حجر الأمازونيت المعروف عند الفراعنة والعقيق الأحمر. الدراسات التي أجريت على هذه الأحجار والمجوهرات أشارت إلى أن مصدرها من قرطاج في الشمال كما أنها كانت ils ont dit que ces bijoux en fait leur origine venait de Carthage. دلالة كافية على كون هذه المرأة ذات أهمية بالغة. C'est-à-dire qu'elle avait une grande importance, cette femme, le fait que des bijoux provenaient de Carthage était sûrement en relation donc, avec donc, le royaume de Carthage à cette époque. عمر القبر عاده الباحثون بعد تحليل الفخاريات التي وجدت هناك إلى الفترة ما بين القرنين الثالث والخامس ميلادي. En se basant sur les pots en argile découverts dans le tombeau, les archéologues ils ont dit que cette civilisation donc, elle se trouvait entre le 3e siècle et le 5e siècle. يتوافق الفترة التي يقول الطوارق أن ملكتهم حكمت المنطقة فيها. وبالطبع النقوش بلغة التيفيناغ كانت حاضرة بقوة. Et il y avait bien sûr des écritures en Tifinag, et ceci est confirmé aussi par les Touareg eux-mêmes, donc cette période du 3 au 5e siècle. تحيط القبر تم التعرف عليها فيما بعد بأنها نقوش جنائزية. بعد الاكتشاف الفريد. Et ces écritures qu'ils ont trouvées en Tifinag, c'est des écritures mortuaires, funéraires, un peu comme vous trouvez aussi durant l'Égypte antique. تم نقل الجثة للدراسة. وأجريت العديد من التحليلات والدراسات الشاملة بدءا من العام 1933 فكشفت الأبحاث عن أن هذه الملكة كانت امرأة طويلة ورشيقة عريضة الأكتاف وذات ساق. Donc ils ont fait des analyses, ils ont étudié son squelette, l'ADN ainsi de suite, ils ont dit que cette femme, c'est en 1963, à partir de 1933, et ils ont dit que c'est une femme qui était élancée, qui était grande, large épaule, avec des jambes fines. قين نحيفتين ليرقد جثمان الملكة وحتى يومنا هذا في تابوت زجاجي مع مجسم لقبرها في متحف باردو في الجزائر. Donc son tombeau se trouve dans le musée national du Bardo en Algérie, d'accord, dans un tombeau en verre. إحدى الدراسات أشارت إلى أنه ربما كانت هذه الملكة عرجاء والمفاجأة أن المؤرخ الشهير العلامة ابن خلدون قد ذكر في كتابه تاريخ ابن خلدون أن امرأة عرجاء هي سلف الرجال الملثمين أي الطوارق. Donc ils se sont rendu compte que cette femme, ils ont dit que cette femme, elle devait, en étudiant son squelette, elle devait boiter. Et en fait, ça s'est confirmé par Ibn Khaldun qui dit dans son l'historique d'Ibn Khaldun, son livre, qui dit que en fait, il y a une femme qui boitait, d'accord, et c'était en fait la reine des gens masqués. Mais les gens masqués, c'est les Touaregs. ومع ذلك بقيت هذه الملكة مثار جدل وأقاويل كثيرة أبرزها أنها كانت مسلمة ولكن الدراسات والأبحاث أثبتت أنها عاشت ما بين القرنين الثالث والخامس الميلادي كما أسلفنا. Donc beaucoup ils disent que c'est une musulmane, beaucoup disent que cette reine était musulmane, et alors qu'en fait elle aurait vécu entre le 3e et 5e siècle, donc avant l'avènement de la législation de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc ça contredit en fait voilà ce qui est dit en fait. والإسلام المحمدي وصل إلى تلك المنطقة في القرن السابع الميلادي ولكن الأغرب من كل هذا قيل في حقها أنها آخر ملوك مملكة أطلانتس الغامضة. مدعو هذا الأمر يرون أن كون أصلها مجهول وقصة هروبها من الشمال وكلام هيرودوتس حول كون الأطلنطيون هم أسلاف الأمازيغ ومن Donc ils disent que c'est la dernière des reines de la civilisation de l'Atlantide. D'accord, donc beaucoup disent qu'elle se trouve dans cette région là-bas, d'accord, avec toutes les écritures qu'ils ont retrouvées, on a vu des vaisseaux qui étaient inscrits sur la roche, des choses qui ressemblaient à des avions, à des extraterrestres, à des martiens, franchement des choses, en fait, même le lien avec les djinns, parce qu'en fait,
À mon avis, la civilisation de l'Atlantis devait être une civilisation qui s'est faite sûrement en collaboration avec le monde des djinns, Wallahu a'lam, pour être aussi avancée. Et donc pour eux, l'Atlantis, donc l'Atlantide, remonterait donc au royaume ou à la civilisation des Amazigh. منهم الطوارق دليل على ما يدعون، بل أكثر من هذا، نحن نعلم جميعا أن شعب قارة أطلانتس الغامضة في أغلب الروايات المصورة والمكتوبة أطلق عليهم اسم الشعب الأزرق، وفي المقابل الطوارق معروفين بثيابهم ولثامهم الأزرق. Il dit aussi que lorsque on parle des gens de l'Atlantis, on les décrit comme des gens bleus, d'accord, les gens bleus, et ceci correspond un peu aux Touaregs, comme vous voyez leur tenue, ainsi de suite. الذي أدى تحلله في بعض الأحيان إلى اكتساب بشرتهم اللون الأزرق وهكذا بالنسبة لمدعي هذه النظرية والمؤمنين بها تم الربط بينهم وبين شعب أطلانتس وأصبحت ملكتهم وأمهم الأولى الملكة تين هينان آخر ملكة من أطلانتس بالطبع لا دراسات أو أبحاث تؤيد هذه الفكرة فمن الأساس موضوع أطلانتس القارة المفقودة لم يحسم انتبهوا أصدقائي Donc il dit bien faites attention, parce qu'en fait, bon, moi je pense que c'est pas suffisant la couleur bleue pour dire que c'est vraiment eux les gens de l'Atlantis. Je pense que c'est plutôt par rapport au dessin rupestre. Voilà, surtout ça, je pense essentiellement. Il dit faites attention parce que les chercheurs en fait débattent toujours de l'origine de l'Atlantide. On ne sait pas exactement donc ce qu'il en est réellement, d'accord? Mais c'est fort possible qu'elle se trouvait en fait, Allah alim, dans la région là-bas, en fait, du Sahara, Wallahu a'lam. لم يحسم لا بنفي قاطع ولا بتأكيد وموضوع هذه القارة من أكثر المواضيع الجدلية على الإطلاق التي لا زالت الدراسات حولها مستمرة لإثبات وجودها ولو بطرف خيط أو لنفيها نفيا قاطعا وهكذا تضاف إلى قائمة الجدليات الطويلة في موضوع أطلانتس هذه القضية الملكة تين هينان رغم كل الاكتشاف Donc il dit voilà qu'en fait ce sujet toujours on débat toujours du sujet de l'Atlantis, on n'est pas sûr si exactement ce qu'il en est. Donc c'est pas il n'y a pas encore de position ferme concernant l'origine de l'Atlantis. إلا أن بعض الأصوات في المجتمع العلمي ترى أن هذه الملكة ليست شخصية حقيقية وأن الهيكل لا يمكن الجزم بعودته لهذه الشخصية وقد يكون لشخصية أخرى من ذات العصر تنتظر الكشف عن هويتها. ويبررون هذا الاعتقاد بأنه لا سجلات مكتوبة تذكر هذه الملكة كما ذكرنا سابقا وذكرها يقتصر على تراث الطوارق وقصصهم المتوارثة Donc ils disent que les scientifiques disent qu'en fait ce squelette ne remonte pas à la reine Tinian, mais peut-être à une autre personnalité, ainsi de suite. Donc ils ne sont pas convaincus en fait, parce qu'ils disaient rien d'écrit, mais on sait que la tradition, comme on l'a dit, des Touaregs, c'est surtout une tradition orale. Je voulais voir les dessins là. رغم كل الاكتشافات إلا أن بعض الأصوات في المجتمع العلمي ترى أن هذه الملكة ليست شخصية حقيقية وأن الهيكل لا يمكن الجزم بعودته لهذه الشخصية وقد يكون لشخصية أخرى من ذات العصر تنتظر الكشف عن هويتها ويبررون هذا الاعتقاد بأنه لا سجلات مكتوبة تذكر هذه الملكة كما ذكرنا سابقا وذكرها يقتصر على تراث الطوارق Et il y a énormément, énormément de choses. Il faut voir les vidéos qu'il y a actuellement, parce qu'il y en a plein qui visitent maintenant le hogar et qui font des vidéos sur YouTube. Tapez, vous allez voir. Et il y a énormément de choses qui sont dites, de choses extraordinaires. Et même de rochers. Il y a des rochers, ils sont bizarres. On leur dit qu'ils ont été posés. On a trouvé des pierres un peu disposées comme si, il y a eu, on va dire, une avalanche de comètes. Et on sait que les comètes, on l'a dit, quand on a parlé de Tariq Solier, non seulement à la punition de peuple, mais sûrement aussi au fait que les attaques contre les shayatin, d'accord? Dieu dit, فَمَنِيَسْتَمِعْ الْأَنَ يَجِدْ لَهُ et celui qui espionne, qui écoute, يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا il aura pour lui, donc, une météorite qui est prédéterminée, d'accord? Donc au point où certains disent que Allah Azzawajal, quand il jetait des météorites sur les djinns qui venaient espionner le ciel, cette météorite, elle était spécifique à chaque djinn, d'accord? Parce que Dieu, dans le Coran, dit « Yajid lahu », il trouvera pour lui, d'accord? Donc on parle d'un djinn en particulier, « Shihab al-Rasada », et il est dit que la météorite ne lâchait pas le djinn qui venait espionner le ciel, elle ne le lâchait pas, jusqu'à qu'elle le brûle. En fait, ça nous fait penser à ces missiles-là qui vous suivent,
et qui lâchent pas leur cible, subhanallah. قصصهم المتوارثة والتي ربما عزز من مصداقيتها اكتشاف الضريح، إلا أنه وحتى يومنا هذا لا شيء مؤكد. الأمر المؤكد الوحيد أنه إن كانت هذه الشخصية الفريدة حقيقية أو أسطورة، فهي تركت أثراً وإرثاً كبيراً في المجتمع الطوارقي المتفرد في عاداته وتقاليده والمحافظ على أصالته. وسبقت منظمات حقوق المرأة بقرون في تثبيت حقوق المرأة واحترامها ومنحها مكانتها الملائمة. Donc il dit que quoi qu'on en dise, est-ce qu'elle a réellement existé ou pas, pour les Touaregs elle existe et elle a laissé donc un grand héritage culturel, d'accord, et traditionnel chez les Touaregs. Les Touaregs ils ont une manière de s'habiller, ils ont des tatouages, une manière de danser, de tout ce que vous voulez, il y a toute une grande culture comme ces peuples-là. Et aussi le fait que les Touaregs ont devancé en fait, on va dire, tout le féminisme, d'accord, ou tout ce qui concerne les droits de la femme depuis plusieurs siècles en fait, avec la considération qu'avait la femme de la société Touareg et sûrement Amazir, Allahu A'lam. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. En espérant que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un j'aime et un partage. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à accélérer la vidéo. Ça vous permettra de passer les blancs qu'il y a entre les... Entre, quand je parle, en fait. Ou ceux qui veulent un peu, voilà, peut-être ça peut faciliter pour la langue arabe, même si ce n'est pas en vérité une traduction de haut niveau et une traduction très fidèle, en fait, à ce que dit le frère Hassan al-Hashim. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma nouvelle chaîne, Commentator, vous l'avez, vous allez sur ma chaîne, elle est juste en dessous, vous voyez, il y a le lien, il suffit juste de cliquer sur vous abonner, je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. تراب